Ronnie Martens, vous allez présenter The Live Freedom dans le quintet de mercredi à Cagnes-sur-Mer. On a plus l'habitude de le voir dans les courses à conditions. Comment ça se présente pour lui? Écoutez, il va découvrir les handicaps, donc on va l'observer pour voir s'il a la valeur pour faire son programme dans ce genre de compétition. Oui, il avait gagné, il a couru une fois handicap, il avait gagné au printemps dernier, mais ça remonte quoi. C'était un. Des petits handicaps. Voilà, c'est pas. Qui n'ont rien à voir avec des handicaps montés. Ah oui. Donc, après, le champion, il a couru selon ce qu'il y avait comme programme. Il est un cheval tardif qui s'est gentiment endurci. On suit la voie des handicaps pour 4 ans pour voir si on peut poursuivre dans ce sens-là. Les dernières courses, autrement, c'était un petit peu compliqué pour lui ou... C'était un peu compliqué parce que il a bien couru à Borély. Derrière, il fait deux perfs en demi-teinte, mais parce qu'il avait très faible nombre de partants, qu'il a tiré beaucoup et que c'était des courses absolument pas rythmées. D'accord. Une que lui a été devant, c'est un peu délicat pour lui, donc je pense que faut le revoir. C'est un cheval avec qui il faut du rythme et qu'il faut cacher, alors c'est ça. C'est un cheval qui aime bien des courses rythmées, puis c'est un cheval, on l'a vu qu'il a une ou deux bonnes perfs l'année derrière. Après, c'est un cheval qui est très tardif, qui était très délicat. Il a gagné ses deux premières courses en allant devant dans des petits lots avec un faible nombre de partants qui ont permis d'aller tranquillement devant et de gagner deux fois comme ça. C'est pas spécialement un cheval qui est fait pour ça. D'accord. Après, comme je vous dis, c'est un cheval très tardif qui est en train de venir. On cherche encore un peu pour savoir exactement quelle est la meilleure voie à suivre. C'est un poulain qui a monté un peu de qualité, que j'aime beaucoup, et je serais déçu de voir mal courir. Après, il faut faire un essai. Et puis vous le raccourcissez justement pour qu'il y ait plus de rythme, quoi, c'est ça. Je pense que c'est un vrai cheval des 16. D'accord. Je le raccourcis, j'ai couru 16. Après, fin d'année, je voulais voyager. J'ai vu le programme chez nous et malheureusement, ça faisait passer par des 18 et des 2000. Ou même pas, je crois que c'était 2-18 qu'on a couru. 2-18, ouais, c'est ça. Et là, c'est 15. Ouais. Donc on a couru les 1800 mètres parce que ça nous empêchait, ça nous permettait de rester chez nous et de ne pas voyager et de lui donner des courses pour continuer à l'endurcir. C'est le programme qui a fait ainsi. Et là le terrain est en train de se raffermir, il y a du beau temps, je crois, à Cagnes, c'est pas dérangeant pour lui, ça. Écoutez, il a gagné un bon temps, il a gagné un terrain très souple, il a bien. C'est pas la chose la plus importante.